c'est que je vais travailler, c'est que j'ai mis là-dedans, puis oui, c'est lui ici, il est plus cool. Ce dog park, c'est que tu peux pas, c'est pour des chiens assez sauvages. Hey, j'espère que vous allez bien. je suis dans ma choupe, puis je vais travailler un petit peu, mais je voulais quand même ouvrir un petit vlog. Je sais pas, on dirait que je suis comme redécollée de nouveau à vlogger. Fait que c'est ça, si jamais t'es pas abonné à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnerais. Puis c'est ça, c'était juste un petit bonjour que je voulais faire pour ouvrir le vlog. Donc on se reparle plus tard. Fait que je vais m'attacher les cheveux parce que sinon je vais jamais travailler. Je sais pas si c'est capable de travailler, je suis lousse, mais je comprends pas, sérieusement. Fait que je vais juste me faire une petite quilt tantôt. Puis c'est ça, c'est une tasse que j'ai faite. J'avais fait la Saint-Valentin, mais je la trouve tellement belge que elle est belle à l'année. Check ça. Trop cute. Là, André m'a placé une grosse tablette ici, là. De la long. Et, je pense que j'ai organisé ça, mais je vais aller doucement là, parce que j'ai encore mal à ma côte. Puis je vais essayer de faire quelques petites commandes. Puis ensuite, ça sera assez pour aujourd'hui. Je veux pas me faire mal plus que j'ai déjà. Là. Oui, zizio. Yeah. On mettra du edging. Salut Joe. Je l'ai acheté. Oh, ça va être perfect, je pense. Ça va passer la balayeuse, puis ça va laver le plancher en même temps. Ça va être perfect. Avec les timets à chaloux. Mm-hmm. Allô? Fait que là, il est rendu 1h40, puis je voulais dîner, parce que j'ai pas encore dîné, fait que je me suis dit que j'allais me faire des œufs bouillis, fait que tant qu'on en faire, je vais en faire plusieurs. Charlot est dehors, sur le perron, puis il est du fun. Il fait vraiment beau. On est lundi, si jamais je vous l'avais pas dit tantôt. Ah, tu vas être capable d'en foutre un autre? Yeah! Ah, c'est pas si pire, ça va en faire. 3, 4, 6, 7 œufs. Dans le fridge. C'est vrai, puis tant qu'à vous parler, je voulais vous dire ça. J'étais en train de me rattraper dans les vlogs de Myriam, là, je viens de finir. Puis là, je m'enligne pour écouter ceux-là de Calou. Calou a fait le vlog Mars. Fait que si jamais vous voulez les suivre, tu sais, c'est des petites chaînes, là, comme proche de 1000 ou un petit peu en bas de 1000. Mais c'est ça, c'est comme... Je voulais vous les partager, fait que je vais les écrire en barre de description. Puis il y a aussi Gabrielle Caron, ça s'appelle Les Vlogs de Gabrielle. Puis il y a elle aussi qui fait des vlogs, elle vient de l'Ouest. Ça fait que je vais vous mettre ces trois petites chaînes-là. Vu que, tu sais, c'est pas des chaînes très grandes, là, que ça vous donne une chance, ça peut leur faire avoir des nouveaux abonnés, des gens qui ont envie de les suivre, ben, c'est ça, vous irez voir, ils sont vraiment mignonnes. Fait que c'est ça. Puis j'attends toujours que des nouvelles personnes me disent qu'ils font des vlogs. Ça fait si jamais que tu fais des vlogs, dis-moi en bas, là, comme. C'est ça, je vais aller découvrir ta chaîne. J'aime ça, découvrir des petites chaînes, des nouvelles chaînes. Comme ça, tu peux comme vraiment les connaître du début puis comprendre comme qui ce qu'ils sont. C'est ça, je pense que je vais continuer à travailler. Je vais aller faire ma petite liste de choses à faire. Mes paniers sont faits, par exemple, mais comme il faut que j'écris dans mon cahier, là, quand même. Puis, en tout cas, tout l'argent qui a passé, etc. Fait que je vais aller m'enligner, faire ça. Puis, avant midi, mais j'ai vraiment travaillé comme sur mes tablettes. Là, j'ai nettoyé mes tables qui sont devant moi, puis les tables à côté de moi. Fait que la seule table qui n'a pas été faite, c'est celle-ci, puis celle qui est à côté de moi. Mais c'est ça, ça avance tranquillement, mais je prends mon temps vu que j'ai encore mal à la couette. Puis là, Charlot est fatigué, il fait petit dodo. So, ben c'est ça, je vais aller continuer à travailler. On se reparle plus tard.
Hey, puis je voulais vous dire, si jamais là, vous cherchez ma petite entreprise, j'écris toujours le Instagram de mon entreprise dans la barre de description. C'est que là, il y a du vent, puis moi, je suis cossue. J'aime ça. Ouais. Oh, bébé. Quoi, c'est papa, le matin. Un petit peu plus tard, j'ai fini mes commissions. Fait que je m'en vais à la maison, puis j'ai fait des achats au Heart. Ça fait que je vais vous montrer ça. Puis j'ai fait des achats au Pet Shop, puis à la pharmacie. Le Pet Shop, c'est le Pras and Fin, le pâté nageoire. Donc je vais vous montrer ça, tout ce que j'ai acheté. Puis je suis aussi allée à l'Indépendant, qui n'est pas l'Intermarché, parce que je suis allée à celui qui est pas dans mon village. Celui qui est à côté du Heart. Donc, c'est ça. Et que là, je m'en vais chez nous. Je vais aller vous faire montrer ça. Puis, Charlot doit avoir hâte que j'arrive. Puis, tu sais, ça fait que, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, je suis partie. C'est long, c'est pour moi. Puis, tu sais. Fait que c'est ça, mais j'ai acheté des petites traites, des petites choses. Ça fait que je devrais être bien contente. Je vous dis aussi, j'ai pas fait de semis encore. Fait que je pense que je vais comme m'organiser là pour essayer de faire ça vraiment cette semaine. J'ai pas trouvé de piment, des petits piments. Moi j'aime pousser des mini piments. Mais c'est ça, je vais pousser mes plants de tomates. Parce que je fais tout le temps mes plants de tomates. Je trouve que c'est facile. Puis ça me fait comme ça fait du bonheur dans la maison avoir des semis qui poussent. Il y a quelques petites choses que je vais pousser, mais comme j'avais dit l'autre fois, je ferai pas des lots de semis cette année parce que j'aime ça quand même acheter en sable, puis je veux pas trop en acheter parce que quand j'en fais trop, on en perd, tu sais, dans le jardin. On essaye de pas perdre de manger, mais si t'en fais trop, tu peux pas fournir, puis tes affaires, ça se congèle moins bien. Il y a des choses qu'il faut absolument que tu transformes pour être capable de, tu sais, comme les conserver sur le... Il y a des choses qui tentent moins de faire en ultra quantité, là. Mais je fais toujours des beaucoup de fèves, mais ça, c'est directement planté au jardin. Excusez. Puis ça, tu sais, je les blanchis, puis je les mets au freezer. Ensuite, tu sais, il y a plein de choses, là, comme les tomates cerises, ça se congèle super bien, puis ça se met dans les soupes, c'est vraiment bon. Puis en parlant de soupe, je sais pas si c'est parce que j'ai faim, mais il me semble que ça serait bon, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une bonne soupe maison. C'est tellement bon, comme genre, il faudrait toujours faire une soupe maison chaque semaine. André n'est pas là. Je vais pouvoir rentrer mes choses. Puis je vais vous faire montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'arrive à la maison. Charlot avait pissé dans sa cage, il était soaké, so je l'ai comme lavé un petit peu dans le bain. Puis je voulais vous faire montrer ce que j'ai acheté à l'Indépendant. Donc c'est vraiment pas intéressant. Des petits lunchs rapidos comme ça, là, des Donair de l'Étoile à Cadvienne. J'en ai acheté deux. Puis j'ai acheté des petits sous-marins comme ça, c'est parce que André travaille de soir. Puis ça, il est pas. Des fois, j'ai des petits lunchs rapides. J'ai acheté des petits sushis au crabe. J'ai acheté du hummus, des collations avec céleri et des carottes.
Puis, pour notre souper, j'ai acheté un stir-fry. Déjà fait. Et vous verrez pas grand-chose parce qu'il est en l'envers. Mais c'est ça, c'est comme, il y a du poulet, des brocolis, des piments, puis une petite sauce teriyaki. Ça a l'air bien bon. Ok, je vais ranger ça. Okay, à l'indépendance, ça m'avait coûté 64$. Ensuite, je suis allée aussi au patinageoire parce que je voulais acheter un autre petit jeu à Charlot parce que j'ai... Fait que j'ai acheté ceci. On dirait que c'est comme, j'ai un souvenir, j'ai acheté ça. C'est plus tu. En tout cas, je vais regarder dans la maison, mais c'est que je le vois plus nulle part. Si j'ai acheté ça, je sais pas, il est où. En tout cas, que j'en achète un autre. Ensuite, j'ai acheté des petites traites comme ça, foie d'agneau. Petites en petites graines comme ça, là, pour le training. C'est juste pour le dressage. Ensuite, j'ai acheté des petites gâteries comme ça. Je pense aux patates douces, aux légumes, quelque chose comme ça. Fait qu'il va être bien content. Puis, j'ai acheté aussi ceux-là. Je pense que ça, c'est aux patates. Vraiment pas sûr. Puis, un autre de plus. Ensuite, j'ai acheté du beurre de pin de puppy. Parce que c'est ça, hein, pour les chiens. C'est mieux celui-là. Je vais attendre, par exemple. Je vais pas tout te donner ça en même temps. C'est comme, de temps en temps, quand il fait quelque chose, tu sais, comme... Ben, j'aimerais ça pas être toujours en mode courir pour acheter quelque chose pour lui. Je lui ai aussi acheté ceci ce matin quand je suis allée au vétérinaire pour sa troisième dose de vaccin. Donc, là, je vais le nettoyer, là. Mais genre, il y a des suces en arrière, ça fait que tu peux le mettre où est-ce que tu veux, puis là, t'es fou. T'écrases du tes foies, t'écrases du manger mou dedans. Là. En tout cas, il a capoté. Puis genre, si tu donnes un bain, mettons, là, puis tu veux, ou tu le sèches, ou peu importe, tu peux le mettre dans le bain, tu peux le mettre sur le mur, puis quelque part, là. Puis c'est ça, ça fait se concentrer sur d'autres choses, ou je sais pas, tu peux les couper les ongles, mettons, le brosser, peu importe. Fait que, il était comme plus pratique, je trouvais, fait que j'ai pris celui-là, je vais le nettoyer. J'aimerais avoir une petite crème. Là. Fait qu'il est encore un petit peu humide, là. Je vais continuer de le sécher, mais c'est qu'il fallait que je faisais mon haul parce que là, le manger allait venir. Fallait qu'il allait dans le fridge. Ouais. T'aimerais savoir ça? Ça veut dire ça, d'être. Oh, qu'est-ce que c'est ça, maman? Quoi, c'est ça? Quoi, c'est ça? Ah, va jouer. Fait que je suis aussi allée au Heart parce que j'avais des petites commissions à faire et j'avais besoin de la laine. Fait que c'est ça, j'ai acheté de la laine. Quelques couleurs de laine qui me manquaient. Puis, voilà. Ensuite, ben c'est ça, tant qu'à être au Heart, il a fallu que je fouille. Puis, j'ai vu des beaux livres. J'étais comme, wow! Donc, Alfred à la rescousse. Je trouvais que c'était trop cute, puis c'est la fête à ma petite cocotte. Elle va avoir un an. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que j'ai acheté ça. Puis j'ai acheté un petit livre comme ça, là, plus mou. Je sais pas si tu peux aller dans le bain avec ça ou je sais pas, mais je trouvais que c'était trop cute. Victoria, la petite pieuvre violette. En tout cas, ce qu'elle les a déjà, c'est pas grave non plus. Là. Puis les animaux domestiques, puis il y a tout comme des... you know? Les textures, en tout cas, que, c'était mignon. Fait que je vais rajouter ça à son cadeau. Ensuite, je me suis acheté du linge que j'ai pogné encore dans le H&M du Heart. Je me suis acheté un habit de bain pour commencer. Je trouvais qu'il était bien cute, c'est comme tout un bout comme ça. Là. Voilà, puis il était... ajustable avec les bretelles. Puis, je suis pas l'habitude de porter du bleu, mais il était 2. Je l'ai eu pour 2,98. So, j'étais comme, qui me fit ou qui me fit pas, je la jette. Ensuite, je me suis acheté des petits biker shorts, le genre, là, ou comme petites shorts que tu mets sous les robes. C'était 12$.
Puis je me suis acheté, j'ai vu ça, j'étais comme what? Je sais pas combien que c'était par exemple. Je vais regarder si je vais sur le reçu. Je sais pas dans qu'est-ce que ça a tombé là. Pantalon 12$, ok? C'était-tu pour homme? Ah oui, pantalon homme. En tout cas, mais c'est que ça disait coupe décontractée, puis ça avait l'air comme, on dirait une. Oh, où est-ce que c'est écrit? Waterstop Tech. C'est, en tout cas, c'est dans les hommes, mais c'est dans moi. Donc, c'est comme une petite culotte cirée. Je me disais, c'est parfait. Donc, ça va comme couper le vent. Puis, tu sais, si il mouille un petit peu, ben, que je veux marcher. Fait que, en tout cas, je vais vous en montrer là, comme il faut. Là. Pour 12$, là, tu sais. Allô. En tout cas, ça fait vraiment parfait, là. Je sais pas, je pourrais mettre une paire de culottes vraiment en dessous complète. Là, même, je mettrais comme un biker short en dessous. En tout cas, fait que je trouve que c'était bien nice. C'est comme un beau stuff, là. Anyway. Fait que ça est parfait pour le printemps. Ensuite, je me suis acheté une petite chemise comme ça, gris foncé. Je me disais, c'était cute, ça. Puis, je sais pas, ça faisait bien relax, là. Vous savez, mon style, c'est pas mal comme chill. L'été, plus comme boho, là, je dirais. Je sais pas, c'est comme mélangé. Puis, ensuite, le prochain, je vous fais montrer, je vais mettre c'est juste rapidement. Je vais vous montrer la chemise, là, tu sais. Ça, c'est juste comme ben chill, là, tu sais. C'est nice, là, tu sais. Ça pourrait aller comme dans des jeans, là, tu sais. Tuck-in, puis. Bien correct, là. Mieux le voir, mais passion, manteau de jeans! Ultra grand. Puis ça, celui-là, c'est un médium. J'ai pris dans le H&M au du Heart, là, dans les choses H&M du Heart. Fait que si jamais tu viens par chez nous, mais il en reste un, je l'ai vu tantôt. Je pense que c'était un large, mais je ne suis pas certaine. C'est ça, médium, c'était parfait pour moi. Large, ça a été trop grand. Normalement, je prends plus comme du large, là, mais ça, c'est que je suis pas grande, hein. En tout cas, fait que je trouve qu'il était nice. J'ai déjà comme un qui est comme couleur de Jean Paul, mais j'étais comme oh my god! Puis moi j'ai une passion manteau. Fait que ouais, j'étais bien contente. Ensuite, là, fait que dernière place où est-ce que je suis allée, c'est au Family Prix. C'est extrêmement cher des vernis Lookie, hein? Ils étaient pas en spécial, mais c'est ça, je me suis dit là, pour une fois que j'y pense, je les achète. Et depuis Noël que ma mère m'a acheté une machine pour faire mes ongles, puis vous savez, moi je me ronge les ongles. Mais j'étais comme, quand est-ce que je prends des petites photos avec des tasses, tu sais, ça serait quand même cute que j'aurais comme des petits ongles colorés de temps en temps. Mais souvent, pour mon entreprise, je veux dire, mais c'est ça. Je peux imaginer que je vais quand même les ronger, mais c'est ça, je me suis dit, je vais quand même essayer. J'en ai essayé deux, j'ai deux couleurs, donc voici les couleurs. Ça s'appelle Betty et Takin. Donc... Est-ce qu'on peut les voir? Donc voilà! Fait que c'est ça, j'ai hâte d'essayer ça, mais comme je vous dis, tu sais, ça m'a pris jusqu'à Noël avant d'acheter les vernis. Donc avant que je les essaye, on peut encore attendre un bout. Peut-être à l'été. Mais c'est ça. je niaise, là, mais en tout cas. Hey, capotez-vous comme moi sur mon manteau, genre? Je vais vivre là-dedans! J'ai tellement hâte au printemps! En sens, je peux imaginer, là, tu sais, je vais mettre ça. Puis moi, là, je suis toujours genre style jeans Paul, t-shirt blanc. Là, tu sais, comme genre mon manteau jeans. Ouh, ouh, ouh. Puis j'ai commencé à porter un petit peu plus de noir, genre. Mais c'est ça, tu sais, je me disais aussi, tu sais, il faudrait mettre des petites couleurs ou comme une petite couleur comme pastel Paul en dessous, ça va être cute! Puis, ça, on dirait que ça va aller avec tout, là. Surtout pas avec ce petit t-shirt-là. Ça, c'est un petit t-shirt laid qui, que je mets en dessous de mes sweaters parce qu'aujourd'hui, je travaillais, j'étais en sweatshirt. Fait que c'est ça, en parlant de travailler, ça serait vraiment temps que je m'en vais dans ma shop. Fait que je vais aller faire des petites commandes. Puis, c'est ça, je pense que je vais fermer le vlog ici parce qu'il est long assez et ça fait assez longtemps que ça traîne. Mais c'est ça, le prochain vlog, je vous ferai peut-être montrer ma soeur à la dîner. Je dis ça à chaque vlog, genre, ça arrive jamais. Mais je pense que oui, je pense que je vais vous faire montrer dans le prochain vlog où est-ce qu'on est rendu. Puis genre, même si c'est pas fini, c'est pas grave. OK? Fait que ça, je vous montre ça la prochaine fois.
Peace out. Merci d'être là. Cette fine et fin. Maman m'a donné un os, pis c'est le fun! J'ai le fun! Mouais! Elle a toute la face trempe encore. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai eu mes vaccins. Ouais, j'ai eu mes vaccins. Spoon. Ah, c'est ça. Fait que troisième vaccin aujourd'hui, là. Quelle date qu'on est? Quelle date qu'on est? Je pense qu'on est le 14 mars. Oh. Oui, tu vas aller continuer à ronger ton os, hein? C'est le fun, hein? Donc, c'est ça. Il est tellement grugeur comparé à Mou, genre Mou, là. Il y avait comme pas cet instinct-là de comme gruger. Il carrait pas pour ça, genre, comme ses jeux de bébé. Il était encore nu, lui, il lichait ses jouets. Puis ça, lui, il est vraiment plus comme un grignoteur, là. Fait que c'est comique, c'est comme toutes des nouvelles affaires. Puis moi, j'avais des allergies. Fait que je fais comme rien acheter, en plus. Puis il aimait pas ça, des traites. Ça fait que là, c'est vraiment spécial. Un autre de garde avec moi, il est trop beau! Il est trop beau! Ah, fait que c'est ça, moi. Là, je trouve ça bien cool. J'achète des petits affaires, puis il gruge ça, puis il trippe sa vie. Puis vu qu'il gruge tout le temps, mais là, il gruge les jouets, ben, il finit par venir à bout. Je suis comme, au moins, si c'est quelque chose qu'il mange, je pourrais le manger. Fait que c'est ça. Bye pour vrai! T'avais caché ça avec André-Marie. En douce, moi, parce que, tiens, il est tellement mou puis confortable. Je l'adore, genre. Allez chercher l'eau. C'est soit un small ou un large, pas si... En tout cas, ils sont faits grands, fait que même si tu penses jeter d'un large, parce que tu portes large normalement, tu peux jeter d'un small pareil, parce que moi, je fais de la maison, t'sais.